Israël ne peut pas vivre indéfiniment sous la menace iranienne, a martelé hier soir Benjamin Netanyahou à Washington. Pour le Premier ministre israélien, il s'agit d'empêcher par tous les moyens Téhéran de se doter de l'arme atomique. Le président Obama, dit-il, a réaffirmé son engagement à empêcher cela. Il a clairement dit que toutes les options étaient sur la table et que la politique américaine n'est pas l'endiguement. Israël a exactement la même politique. Mes amis, Israël a attendu, patiemment attendu, que la communauté internationale résolve ce problème. Nous avons attendu que la diplomatie fonctionne, nous avons attendu que les sanctions fonctionnent. Aucun d'entre nous ne peut se permettre d'attendre beaucoup plus longtemps. Barack Obama et Benjamin Netanyahou ont néanmoins eu du mal à cacher leurs divergences sur les moyens à employer. Israël ne dissimule pas sa volonté d'intervenir militairement contre les installations nucléaires iraniennes. Le Premier ministre israélien assure toutefois que cette décision n'a pas encore été prise. Merci.